your desires. Les gars, qu'est-ce qu'elles en pensaient de ma fine? Ah, là, je dois dire, c'est de la bonne. Non, de la... Ah, Rumulgosi, hein. Vous pouvez en donner à tout le monde, hein, pour sûr. Ah, j'en connais, ça les tomberait raide, hein. Vous racontez des menteries. La fine, ça fait du bien de partout. Ma pauvre mère en mettait dans la soupe. Et regardez le bonhomme. J'étais là malade, moi. Prosper, je suis sûr que je peux deviner l'âge de ta fine. Mais pour ça... Il m'en faudrait un autre verre. Oh, oh, alors là, Bastien, tiens le pari. Rosalie! J'arrive. Merci à notre coup, là. Et nous, on peut point deviner. Pareil, tiens, Rosalie. C'est Isidore et puis Martial. pardon, c'est messieurs. Allez, essayez donc de deviner. Il dirait que c'est de la jeune. Ah, ouais, il est fort. Même te dire, c'est l'année où il est tellement tombé d'eau que les vaches, on savait plus si on leur voyait le cul, la tête. M'en souviens pas, hein, le pays était devenu un pot de chambre. Tiens donc, Bastien. T'es donc capable de dire d'où qu'elle vient, ma fine? D'où qu'elle vient? Et d'où qu'elle vient? Pour ça, faudra que je goûte encore. On sent bien le fruit. Pour sûr. Il pique un peu la langue. C'est signe que le champ est en pente. Eh ben, Prosper Chico, je te le dis. Cette fine vient de tes pommiers du champ des Trois Routes. Mais t'es donc sorcier, c'est pas possible, ça. Comment tu l'as eu, le Prosper Chico? Je veux dire, Isidore, c'est surtout la Rosalie que j'ai eue. Et je fais ce qu'il faut à la Rosalie, alors tu penses à me l'avait dit avant de quand venait la fine? En parlant de votre champ des Trois Routes, vous savez qui on a vu? Madame McVache, pas dit. Tout juste. Toujours bon pied, bon oeil, hein? Vous n'avez pas lui acheter sa ferme? Parce que, comme qui disait, votre champ est juste à côté. Elle ne veut pas vendre. Tout ce qu'elle sait dire, c'est j'y suis né, j'y mourrai. Pourtant, on peut dire qu'elle aime les sous, hein. Qu'est-ce qu'elle dépense? Rien, hein. Elle doit acheter son sel, et encore. Elle mange ce qui pousse autour de chez elle, c'est tout, hein. Ce sera la plus riche du cimetière. Allez, régalez-vous, hein. Doucement. Il y en aura bien pour tout le monde, hein. Alors, la mère, est-ce que ça t'est toujours bonne? Bon, ça peut le faire. Et toi, Prosper? Ouf. Si j'avais point la goutte de temps en temps, ce serait la satisfaction. Eh ben, tant mieux, hein. Dites-moi, belle Magloire. Qu'est-ce qu'il y a? Cette ferme, vous voulez toujours pas me la vendre? Pour ça, non, n'y compte point. Puisque je t'ai dit que j'y mourrais, c'est que j'y mourrais. Mais je ne m'empêche pas d'y mourir, je vous demande seulement de me la vendre. Et qu'est-ce que tu me chantes? Vous me vendez votre ferme, mais vous y restez. Je ne vais pas vous chasser, moi. Qu'est-ce qu'elle viendrait sur vous, vos poules? Je voudrais bien savoir comment que ça peut se faire, hein. Ben, c'est pas simple. Chaque mois, je vous donne 30 écus. Vous entendez bien? 30 écus que je vous apporte moi-même, là, avec ma carriole. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce que je fais, moi, alors? Ben, vous prenez les écus et vous restez chez vous. Je reste chez moi. Ah oui, tant que le bon Dieu voudra pas de vous.
Et si le bon Dieu n'est pas pressé? Vous aurez vos 30 écus par mois jusqu'à ce qu'il se décide. Tu risques d'attendre. Je veux prendre votre mort, moi. Je vous fais une proposition honnête, c'est tout. Je dis pas non. Alors c'est oui? Je dis pas oui. Qu'est-ce que vous dites alors? Faut voir. Mais faut voir quand? Je reviens dans le courant de l'autre semaine. Je te ferai une réponse de mon idée. Vous savez, la mère, c'est juste un papier chez le notaire. Hein? D'abord, me faire une raison dans ma tête. Parce que moi, on me roule point. J'espère que cette fois, elle va se décider, cette vieille canne-là. Allez, go. Ah, monsieur Chico! Avec d'où vous venez, pote aussi joyeux? Vous seriez pas allé voir les filles, par hasard? Ouf, je viens chez la mère Magloire. Ah, oh, vous l'avez vendu, cette ferme? Pas encore, mais ça va pas tarder. Allez, messieurs. C'est un bravo, monsieur Prosper Chico, hein? Il manque à faire le bien, lui. Chaque mois. Ça fait à l'année 360 écus. Là. Bon. Si je vis encore si. Non. 8 années. Ça me ferait. 3 ça ferait 2800 et quelques. Fais point contre dans cette affaire. Je peux maintenir encore 10 ans. Ça ferait 3600. 3600 écus. Ben, s'il me donne 30 écus, ça combien il vaut plus? Quel filous prospère. Je vais le dire au notaire. 30 écus, c'est pointasse. Filou. Filou. Et le notaire aussi. Hein? Et d'abord, combien que c'est qui vaut, mon bien? En l'état, 10 000 écus. Vous dites ça pour me faire plaisir. On sait bien que ça vaut pas tant. Oh, vous savez, je l'aime bien, le Prosper. Je l'ai vu naître, c'est dire. Moi, je me demande pourquoi il veut que je vienne riche à mon âge. J'ai les jambes lourdes, les yeux me piquent, je tremble comme une feuille. Et puis... jamais rhumatisme. Vous connaissez pas ça, vous, les rhumatismes. Vous êtes jeune. Madame Magloire, si vous vendez votre bien, le marché doit être équitable.
Chacun doit être satisfait. Il faut que vous soyez contente et Monsieur Chicot aussi. Lui, il est toujours content. Mais moi, hein? Une pauvre vieille qui a un pied dans la tombe. Qu'est-ce que vous voulez faire pour qu'elle soit contente? Demandez 50 écus par mois au lieu de 30. 50 écus? Ça les vaut. Je viens de vous le dire. Et s'il prospère, il veut pas? À 50 écus, il est encore gagnant. Même si je vis encore 10 ans? Même si vous vivez encore 20 ans. Ah ben ça... On pourrait peut-être préparer les papiers, d'ici que je parle au prospère. Ça n'engage à rien, les papiers. Le temps qu'ils ne sont pas signés, à rien. Petit, joli, là. Mais je l'ai dit, j'y suis né, j'y mourrai. Je veux point vendre. Mais, petit. Trente par mois, c'est pas rien, 30 écus par mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, je saurais que t'es là. T'attends ma mort pour avoir la ferme. Ah non, non, non. Ça me fait trop de peine. Je t'ai vu naître, Prosper. Ça s'oublie pas, ça. Justement, la mère, c'est comme si vous aviez un fils. Je passerai comme votre fils. Hein, vous m'aimez bien. Puisque je t'ai vu naître, c'est que je t'aime bien. Hein? Moi aussi, vous êtes bien. Que tu dis? Allez, les petits. Ah, non, non, vous jure, ma mère. Je vous aime comme si vous étiez ma propre mère, comme que si j'étais votre pieu. Je peux pas mieux dire. Oui, petit. Ben, si tu m'aimes tant que ça, t'as qu'à me donner 50 écus. Par mois. Par mois. 50 écus. 50 écus. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça te ferait pas beaucoup plus? Et peut-être moins. Bon, ben, 50, c'est plus que 30, que ça. C'est parce que je pensais que je vivrais encore 10 ans. Quand tu disais 30 écus, mais maintenant, je suis bien sûr que j'en ai pas pour plus de 5 ou 6 ans. C'est le docteur qui vous l'a dit? Oh, pas besoin, je le sens bien. L'autre soir, j'ai bien cru que j'allais y passer. On aurait dit qu'on me vidait tout le corps. J'ai à peine pu m'écrouler sur ma paillasse. Et puis je dors point toutes les nuits. C'est de la douleur, de la douleur, de la douleur, de la douleur. Bon, 50 écus, on n'y revient pas. 50 écus. Cochon qui s'en dédie. Que le premier de chaque mois, vous pouvez passer à mon étude, prendre les 50 écus. C'est pas toi qui vas me les apporter? Mais j'ai mon auberge à faire marcher, la mère. Je pourrais pas passer tous les mois. Mais tu m'as promis. T'as dit que t'étais comme mon fils. Madame Magloire, je m'engage à vous faire porter ces 50 écus le premier de chaque mois. C'est point pareil. Cochon qui s'en dédie. Madame Magloire, on ne peut pas revenir sur cette vente, motif que vous voulez que l'acheteur se déplace pour vous porter votre dû. Mais c'est lui qui l'a dit. Autrement, c'est de la tromperie. Ah, je viendrai chaque fois que je pourrai, et les autres fois, monsieur le notaire vous les fera porter. Ça vous a-t-il comme ça? C'est point. Il faut vous décider, madame Magloire. On va faire un coup, cette annonce. Mais moi, je demande qu'à vous faire plaisir. Bon, ben. Alors, je veux bien que ce soit monsieur le notaire qui me fasse porter mes 50 écus. Mais quand tu pourras, point. Mais ça me fait tant de peine que... Faudrait une petite consolation. Quelle consolation? Je sais pas, 10 écus. En plus du reste. Et tout de suite. Vous voulez bien signer maintenant?
C'est bien pour vous arranger. Je veux dire, Prosper, avec les pommiers de la mère Magloire, c'est de la faine supérieure que tu veux faire. Eh bon, on verra bien. Pour le moment, je vais les garder, les pommiers. À 50 écus le mois, j'espère que vous avez de bons yeux, monsieur Chico. Hein. bon Dieu, le cœur repasse de vieille carne. On se demandait, qu'est-ce qu'il fait tous ces sous? Ah ben, pour sûr que ça lui change la vie. Hein. D'abord maintenant, à ce stade deux fois par semaine. C'est pour un bon bout de la santé, ça. Ouais, c'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'elle est coquette à présent, la fouasse. Je ressemble à une dame, à pas à dire. C'est pas de l'effet, un chapiot, hein. Prosper ? Mais, tu viens m'apporter mes 50 écus ? On n'est que le 24 pourtant. Je suis venu vous inviter. À quoi que tu veux m'inviter ? Eh bien, chez moi. Vous descendez bien à Épreville, vendre vos œufs. Ben, vous n'avez qu'à passer à l'auberge, je vous ferai un bon dîner. Parce que je peux pas dépenser, moi. Hein? Puisque c'est moi qui vous invite. Si, c'est pas pour me donner mes 50 écus ou pour me donner moi, ça marche pas. Non, mais c'est parce que les gens disent qu'on n'est point amis, que vous m'aimez plus bien. Ah, il faut que ça jase dans le pays. Alors, moi, ça me fait malice qu'on dise des menteries pareilles. Ils vont voir. Bah alors, ça vous plaît pas? Bon. C'est que j'ai pas l'habitude d'en manger, mais... Je peux en ramener, hein. Enfin, pour mes poules. Bah, vous n'avez point bu votre vin non plus. Ah, je vais vous faire un bon café. Non. C'est pas bien recommandé à ce qu'on dit. Et un petit verre, hein, ça vous dirait pas? Un petit verre, ça se refuse pas. C'est la bonne heure. Rosalie, amène la fine, la meilleure, hein. C'est de la fameuse, je vous dis que ça. Allez me goûter ça, la mère. Ça, oui, elle est bonne. Oui, je ne raconte pas d'histoire. Oh, moi, cette fine-là, j'en bois 10 ou 12 sans embarras, ça passe comme du sucre. Et le bien que ça fait dans le corps, oh, je vous dis que ça, il n'y a rien de meilleur. Hein? Allez, un petit dernier. Hein? Allez, il n'y a rien de meilleur. Hein? Allez. Hein? Hein? Allez, un petit dernier. Hein? Ça c'est peut-être pas mal raisonnable. C'est du médecine, je vous dis, la mère. Vous arriverez à 100 ans avec ça. Bah, puisqu'elle vous plaît,
Je vais vous en donner un petit fût. Comme ça, personne pourra dire que nous ne sommes plus une paire d'amis. Je suis quand même ben un peu gêné. Je vous trompe pas que ça te manque. Hein. Oh, ne craignez rien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et plus tôt que ce sera fini, mieux que je serai content. Mère Magloire! Mère Magloire! Mon prospect. Il m'apporte mes sous, je parie. Tout juste la mère. Parce que j'avais un almanach. Et que quand c'est le premier du mois, je suis au courant, tu penses. Je vais les compter, il ne faut pas croire. Hein. Parce que moi, on me rend point. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est donc vrai que tu m'aimes comme un fils? Oh, bah oui, comme si j'étais votre pio, la mère. Mais c'est la même au moins, hein? Ah, bah, mais meilleure, celle que vous aimez. Mais parce que moi, on me rend point. Bon, maintenant, on va l'ouvrir ce petit fût. Comme ça, vous serez sûr. Ben, à notre amitié, pas de dire. Pas de dire. Je ne veux pas repartir sur une jambe. Qu'est-ce qu'il rentre toute seule, Prosper? Et tantôt, t'auras pu assez de fine jusqu'à descendre. Isidore, raconte-y! Eh ben, l'autre jour, je l'ai ramassée dans le chemin, comme je te dis. Je l'ai ramenée chez elle sur mon dos, hein. Et ben, pour me remercier, m'a vomi dessus. Si c'est pas malheureux à cet âge. Oh, tu sais, Martial, il y a quelqu'un qui s'est fait chagrin, c'est pas moi. Je suis comme son fils. Alors, j'ai de la peine pour celui-là. Allez, on passe les herbes. Allez, viens. C'est fini. On passait sur la route et on l'a vu là. Bon ben, ça devait arriver, hein. On va la transporter chez elle. Ouais. Ouais. Il y en a un qui va être triste, hein. Bah, pour sûr que le Prosper Chico, ça va lui faire drôle, hein. Bon, il était pas toujours content vu qu'il a dépensé ses sous en fanfreluche. Enfin, il l'aimait bien, sa mère Magloire. Pensez donc
C'était comme son fils, hein. C'est vrai que j'étais comme son fils. Tu veux la propriétaire de son bien maintenant? Ça, ça compte pas. L'argent que je lui donnais, c'était pour qu'elle vive point comme une miséreuse. Ou les cadeaux, si elle s'est vue au jour, moi, c'est tout. Vous savez ce que je vais demander au curé? Et qu'on l'enterre derrière sa ferme. Comme ça, quand j'irai, je pourrais lui présenter mes respects. Mais Magloire, ça va être une sonnette. Bois donc tout en dessous la vieille canne, hein. Vieille canne, hein. La vieille canne, tiens, prends ça, bois ça. Ah, tu l'aimes ma fille, hein? Hein? Ah, tu l'aimes ma petite fille, hein? Elle attend tes mortes, tu as passé toute ta vie, toute l'éternité, saloperie. Tiens, bois ça. Tiens, allez, allez, allez. Tiens, il en reste encore, hein. Allez, vas-y. Hein? Allez, bonne. Ah, t'en as plein, t'en as plein pour toi.